Voici une recette traditionnelle de Condré. Et ici, j'ai fait d'une pierre deux coups, j'ai fait un bouillon d'os de viande qui est très bon pour le système immunitaire. Ça nous renforce surtout par ces temps de pandémie. Et j'en ai profité pour faire un Condré. Donc voici la recette. Vous utilisez juste 2 cuillères à soupe d'huile. Hein. Juste 2 cuillères à soupe d'huile, vous allez mettre du sel, un demi-oignon et on va balancer les parties osseuses de la chèvre et un peu de mouton. Voilà, j'ai pris des parties vraiment qui contiennent assez de collagène et voilà. Donc pendant qu'on s'occupe des plantains, là on a laissé mijoter un peu la viande comme ça à feu moyen. Et là on va balancer les plantains. On va mettre du poivre blanc. Regardez. Et on pourra passer à l'ajout de l'eau. On va recouvrir complètement d'eau, complètement. Et c'est parti pour une cuisson vraiment très lente. Vous savez, les os de viande ont juste besoin de mijoter, pas de bouillir. Ils doivent mijoter pendant de très longues heures pour pouvoir sortir leurs minéraux et le collagène. Vous avez vu quand j'ai mis au feu, il était minuit passé. Donc, il était minuit passé quand j'ai posé au feu. Et regardez, là, il doit être 8h53. Voilà à quoi ressemble tout ce qui est contenu dans ma casserole. À présent, on va passer à l'ajout des épices. Ici, on a du poivre noir sauvage, du poivre blanc, du pépé, du quatre côtés, des rondelles, de l'oignon, du poireau, du céleri. Voilà, on a même du gingembre et tout. Je n'avais pas de feuilles de laurier et je n'avais pas de thym. Sinon, j'en aurais mis. Donc, si vous avez des feuilles de laurier et du thym, il faut vous en servir aussi. Donc, voilà. Je vais à présent mettre toutes nos épices que j'ai mixées. Voilà, je vais mettre ça dans la casserole et puis on va continuer avec la cuisson. On continue toujours vraiment à feu très très doux, à flamme super lente. La flamme doit être la plus douce possible. Voilà, on va recouvrir et on va laisser continuer la cuisson à feu toujours très doux. La flamme doit être la plus faible possible. Voilà, ici, il doit être autour de midi passé. Regardez, on a de l'huile qui commence déjà à sortir. Ça veut dire que notre bouillon d'os est en train de donner toute sa saveur au Condré parce que c'est l'huile qui ressort des os. Et je vous le dis souvent, le bouillon d'os est très riche en éléments essentiels pour le système immunitaire. Il va aussi renforcer votre flore intestinale. Donc voilà, il doit être 14 heures passées. Notre repas est prêt. On va servir et moi, voilà, j'espère que la recette vous a plu. Je vous dis miam miam. À bientôt pour d'autres recettes toujours aussi faciles. Regardez, regardez comment le plantain a tellement cuit. Il est tout rouge à l'intérieur. Ça, c'est la confirmation que notre Condré est juste excellent. Donc, dans cette recette, on a joint l'utile à l'agréable, du bouillon d'os et le Condré en même temps. Allez, miam miam, et à bientôt pour d'autres recettes toujours aussi faciles. Miam miam!